Salut, c'est PL Cloutier. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Dion. Pour vrai, on est chez toi à Paris. Ben oui. Non, mais tu sais, en plus, t'as parlé souvent de moi dans tes vidéos, me semble. Je vois pas de quoi tu veux parler. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Olivier? On va vous faire une poutine. C'est PL qui est allé chercher, qui est allé magasiner. Oui, alors je me suis dit que ça faisait longtemps que t'étais en France, peut-être que ça te manquait. Et puis, je t'allais acheter tout ce qu'il faut. Mais là, pour rendre ça plus amusant, il va falloir que, pendant qu'on prépare notre poutine, on prenne l'accent français. OK. Pour s'assurer qu'on est bon avec l'accent, on a notre juge, Théo. Hey! Salut Théo! Bonsoir, bonsoir! Olivier, enchanté! Théo, enchanté! Parfait! Je t'avais pas vu, tu sais. On s'était pas présenté avant. Ça allait! Bon, alors là, pendant qu'on fait nos accents français, si on décroche puis qu'on dit une expression que je dis pas en France, notre conséquence, ça va être de manger un bonbon extrêmement sûr. Très sûr. Mm-hmm. Mais à quoi bon faire une poutine avec l'accent français si c'est pas en buvant un bon verre de vin, ouais! Après nos verres de vin, c'est fini, on parle plus avec l'accent québécois. Ça y est. Eh hey, ben santé, mon PL. C'est un plaisir de recevoir dans mon chez-moi temporaire, hein, qui est pas vraiment chez moi. C'est un plaisir d'être ici. Cheers! Cheers. Alors du coup... Ah du coup, il est délicieux ce vin. Tu sais que moi, tout ce que je vais faire, c'est dire du coup. Ah oui, du coup, déjà t'es bien parti parce que c'est tout ce que les Français disent ces temps-ci. Du coup. Alors, première étape. Étape! J'ai un peu mué. Première étape. Préchauffez votre four à ça, 220 degrés. 220. Centigrades. Je pense que c'est ça. Quoi? Centigrades? Centigrades, t'es sérieux? Ben là, centigrades, j'entends ça dans plein de films. Centigrades, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Bon, mais là, je vais prendre un bonbon, là. Peut-être que ça me tente pas, là. Es-tu sûr à ce point-là? Oh! Mon dieu! Ben voyons donc! Fuck! Qu'est-ce que t'as dit? Ben voyons donc! Hein? Quand on est à la conséquence, on a le droit de prendre une pause, là, quand même. Il a l'air vraiment, vraiment sûr, celui-là. Mmh! Au début, ça va, mais attends... Non! Ça va aller? Je me souvenais plus que c'était aussi sûr. Hein? Cheers, du coup! On continue la poutine! Pendant que le four se préchauffe, nous allons... C'est drôle parce que quand on parle français, on devient handicapé. Oui! Hein? Alors pendant que... Mais on dirait que PL est bien handicapé. Non. Que se passe-t-il, Olivier? Là, je pense pas qu'il se préchauffe, qu'il est barré. Je suis pas certain qu'on a le droit de dire barré. Si. Non, c'est... Désolé. Pour vrai? Vas-y. Bordel. On va se rendre à notre poutine. Est-ce qu'on s'habitue? Non. Aïe, aïe, c'est vraiment spécial. C'était pour vomir, va dans le lavabo, pas sur moi. Maintenant, j'en prends. Oui. On continue la poutine. Pendant que le four se préchauffe, du coup, on va débuter... Aïe, vomis. Alors, du coup, nous allons débuter la cuisson de la sauce. Maintenant, okay. C'est simple faire la sauce à poutine, n'est-ce pas? Waouh. Alors là, il faut calculer 625 millilitres d'eau. On va faire comme si on était Ricardo. Vas-y, à l'œil. Et là, j'ai pas trouvé de fouet, alors du coup, ce sera une fourchette. Voilà, n'a pas de fouet. Toi, tu l'es déçu qu'il n'y a pas de fouet ici. Hein? Tu fouettes bien, Olivier. Alors du coup, regardez les belles frites. Est-ce que ça te donne faim? Est-ce que tu crèves la dalle? Oui. Mon accent, c'est nickel chrome. Tu vas ajouter les bruits criquets maintenant? J'aime ça, moi c'est la première fois que je fais une vidéo YouTube. Donc, oui. YouTube. Alors tu dis comme vu, j'ai dit oui, YouTube, c'est beau. T'apprends vite. Et tu viens de perdre ton accent. Ah non, j'ai le pire, c'est que je faisais attention. Je crois que c'est bien. Je crois. Oui. Je baisse le feu. Allez, baisse le feu. Retire. Mais du coup, c'est un peu collé dans le fond. Oui, mais retire. Ok. Du coup, j'ai retiré. Il a retiré. Bon. On se rendra jamais à notre poutine. Ok, je prends mon bonbon. Non, mais c'est bon, on a la sauce. C'est drôle. Oh, c'est pas mieux! Moi, ça me fait vomir. J'ai un petit gag réflexe quand... Ah! Faut comme passer la première minute où ça fait mal. Puis après ça, ça va. Ça va, la cuisson? Je suis certain que tu vas kiffer. Oui, c'est un truc de ouf! Ok, nous allons maintenant passer à l'étape de mettre les frites au four. T'es censé parler avec l'accent français, Pelle. Foot! Hey! Foot! On va mettre les frites au four. Mais c'était en France, je faisais l'accent français. Je suis pas d'accord, moi. Hey, en ce moment, là, j'ai comme perdu des morceaux de peau dans mon palais. Parce que c'était tellement sûr. Ah, mon Dieu. Ça marche. Bon.
C'était parfait, la bonbon. Alors du coup, les frites? Je crois que le four est prêt. Le four nous dit quelque chose. Mais pourquoi il est rendu 12? Je sais pas. Attends, non. Il est rendu 12? Non, non. Oh, c'est pas français, je suis désolé. Oh, c'est impressionnant. Les sueurs froides. Oh shit. C'est mal pour toi. Oh. Je me sens mal, crache-le. Non, attends. Crache-le. Pas comme toi, moi. Ouais. C'est passé? C'est passé. La première minute, c'est celle qui fait mal. Je vais faire les frites. Alors, on y va? Ok. Alors du coup, nous passons à l'avant-dernière étape. Il n'y avait pas de fromage en petit crottin. Comment on appelle le fromage? La crotte de fromage? Non, le fromage en crotte. Ben, le fromage couche-couche. Tu ne dis pas ça, toi, au Québec, si tu parles à ta famille en joual? Il n'y a pas de fromage en crotte. Mais le fromage en crotte, il est pas fait, t'as fait, il fait pas ce couche-couche comme du monde. Alors, nous devons ouvrir les petits fromages Babybel. On va faire une poutine avec des Babybel? Si! Nous allons ouvrir nos Babybel. Ah, ça te rappelle pas ta jeunesse, toi? Oui, ah. On faisait des petites boules avec la cire. Et le moment nostalgie. C'est génial. Ça te rappelle pas un peu quand t'avais 8 ans? Oui, j'avais ton premier Babybel. Oui, je me remémore des souvenirs chers à mon esprit. C'est gênant. Pas capable de faire l'accent, même pendant la pause nostalgie. J'ai tellement à bout des bonbons sûrs là, que j'ai comme envie qu'il n'y ait plus de conséquences. Regardez ça, on a des belles crottes, des fromages en crotte. Des belles crottes. Regardez-moi ça, les belles crottes qu'on a ici, des belles crottes de fromage. Hey, ça, c'est beau. Voilà. Ça va faire rêver la française. Théo vient de décider qu'on continuait le jeu, fait qu'il faut qu'on reprenne l'accent. Ouais, merci Théo. Ben dis donc alors, du coup. Viens ici, je vais. Aïe 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 aïe, ça c'est. Oh mon dieu. Oh, oh! Oh. Belle équipe, vraiment belle équipe. Ben oui, je trouve. Oh mon dieu, brûle-moi pas Olivier. Comme ça? Il faudrait que les gens voient comme ça. C'est pas effrayant. Comment tu veux que je fasse ça? J'ai plus comme ça. Ok. Attention, là on y va. Et là, on verse la poutine. Oh merde, la sauce elle est dégueulasse. Des moutons. Moi je trouve que ça a l'air délicieux. Oui. Ok, le jeu est fini là. Là moi j'en peux plus d'essayer d'avoir l'accent du coup. Du coup. J'espère que tu vas kiffer grave en Chris. C'est mieux d'être un truc de ouf. J'aime ça, je pense. C'est quoi, hein? Est-ce que t'as l'impression de te sentir comme au Québec? T'es malade, c'est bon. En veux-tu, Théo? Ouais, j'ai goûté, j'ai goûté. Ça va-tu? Bon! Je pense qu'on a fait la croix qui était bonne. Bon, mais si vous avez aimé la vidéo, vous donnerez un thumbs up. Si vous nous avez entendu dire des choses que Théo n'a pas remarqué, qui était vraiment pas française, vous nous le direz dans les commentaires. Allez faire un tour sur la chaîne Vivo. C'est la première fois que j'ai quelqu'un qui a une chaîne Vivo. C'est vrai? Dans mes vidéos. Comment tu te sens? Ben j'aime ça. Ok. Je prends goût. Bon! Ok, ça. Hey, à bientôt tout le monde. Ciao. Wow! Hey, on l'a eu! Ça a pas été facile. Vous allez directement au micro, hein. Vous arrêtez pas d'aller. PL Cloutier, ravi parce que je te regarde, je te... Ah oui, bah oui, bon, bonjour, hein. C'est tellement contente de vous avoir.